Darufama. Ok, bon, on peut commencer. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa ij'alna lil muttaqina imama. Wa yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dhikrun lil 'alamin. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاحق ولكم الويل مما تصفون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. هاي مصيبة يبي مكلا إن دمودون يتوري مودون وسلمنا ما يتي الله نحن ندوين هيد إن تingol ديجون دمدين دو. أبرزيزه كوجودي نسوم لو سامدي 23 أفريل 2022 contrairement à ce qui avait été écrit sur la page 23 janvier. Je pense que c'est notre rédacteur Monsieur Diallo dont la journée de Ramadan était un peu fatigante, mais c'est pas fait aussi par hasard. C'est aussi pour susciter la réaction parce que ce que vous ne connaissez pas, c'est que plus une publication a des commentaires, a des réactions, plus cette publication aussi a la chance d'être visible. Donc, pour votre information, c'est bien que vous corrigiez lorsque vous constatez qu'il y a une erreur qui a été faite dans les écritures, ce soit le jour, le mois ou parfois même l'année. Pensez que c'est une façon aussi de faire réagir surtout les Diallo et les camarades qui viendront ici penser que c'est la journée de Ramadan qui a frappé Frère Tola. Non, c'est pas Tola qui écrit toutes ces publications. Parfois c'est lui, mais ce n'est pas toujours le cas. Il arrive parfois que ce soit écrit par un camarade, que ce soit écrit par un Diallo, comme ça peut être aussi écrit par un Traoré. En tout cas, qu'à cela ne tienne, aujourd'hui encore, il est présentement 21h passé de 34-35 minutes du côté de la Guinée-Conakry. 2 heures de plus du côté de l'Europe, donc il se fêtera du côté de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Angleterre, vous êtes nombreux. Du côté de la Suisse également, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre page. 6 heures de plus du côté de certaines contrées. Nous n'oublions pas aussi nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent du côté de l'Australie, où c'est vraiment le matin ou pour certains en ce moment. Et du côté aussi de l'Asie, c'est à peu près le cas. Du côté de l'Amérique du Nord, c'est parfois 4 heures de moins, c'est parfois 6 heures de moins, parfois même 8 heures de moins. En tout cas, qu'à cela nous tienne, vous êtes les bienvenus. Hande kajare yeti ala moja. Heini, neun andoing heidi ntingon de jo de meden do, de tawad hande vi ko asewe. Nyalande noga edi da bereden ka leuru baleru, ka nyalande noga etan bereden ka leuru porto ko duweni avril 2022. Harayande doi de mari to edi do e kunto ito bere meden ara nerden wiude ngarai ko gotawata kon enfop en tinido ko be ni ko monsieur alpha konde libera magi bi hankin kiki de do mo tawata on ara yiden addude do no yel ko famo den kan mudum kondu wadi dun don tigi tigi wi aso libera ma sa va être le premier point. Deuxième point mo yotete fi mudum on ko sanction jidin ka cede o tawdi din ka nyun ka di de ngandi ko le 25 ko do woni haray ko fadi jango do sans transition yaltata parce qu'il y a des dates limites yonna donc pas forcément que le 25 donc haray wonata innete ko ndeñande sanction jidi yaltata mais en réalité ko ndeñande woni haray date limite mo tawata on CNRD no doit holdude durée de transition on be wada ka di geste di entre autres libre gol kañum monsieur Alpha Condé entièrement kono no woni haray ko CNRD on fe on do risque mo be mari on wondo hore mabbe ko tawata en humpiti ke particulièrement sanction ji aroji ni parce que de ngandi ka fetti no e wi on haray en wola tanu di tawdi fo parce que en humpita ki di wodi no haray di wawde en jend di tade mudu humpito den sera ko di woni haray ko jonnete do e troisième point on wi den ko diver on don haray ko kunto e tobbe woni ko hawtindira haray no en tori ki Allah newnan do en heedin tingol de jonde meden do yo newnan en o wufina mi kon ko wonde sawaba mi yottina dun do e modon o hawrindi mais on sawa ba don wara nafa e makko si tay dun don no wadi ara yette mo kanko Allah sabu ara ko kanko woni ko moji e meden si ko aks mudum on wadi ara ye ngandu go go taw neddo on timadi men mudum kadi seitan no wayo ladde ka yawtere do kala den faljande wadde ara yo no wawe de wurtude non ande ara ko dun do woni ko walle jerten do sabu ko derol meden do ara no yo Allah wadan en barke jonde meden den do newna na mimi yawta konko tawata itana yo ngande jiba em do ngandi don duudi do arbe hewti ka derol do wombe jewde tawbe ben haray no mari andeji di tawata haray ko non gasa wonde ko simi yewti berre mabbe haray walo yo sabindina dun sabu ina dole woni ko mari fi dun don ko kanko Allah woni e wadude dun don ka yewtereji an tawoji haray si on jentiteki jentiteki di haray berde mo wawa haray dejude si dun don no wadi toujours haray yettemo kanko Allah
anden ko kanko ni moƴƴo hareno yo moƴƴo meɗen amin ya Allah. Donc nous allons commencer le direct pour toujours le bonheur de tous ceux qui nous regardent, et vous êtes priés, vous êtes 1700, plus de 1700 personnes, presque 1800 personnes, je n'ai pas exactement le nombre, mais ce que nous savons c'est que si ces 1700 personnes partagent chacun, nous allons avoir, parce que ce que nous visons aujourd'hui, c'est d'avoir le maximum de personnes afin qu'on sache exactement à la date d'aujourd'hui, 23 avril 2022, où nous sommes actuellement situés, afin qu'on sache le niveau d'avancement, d'abord de la transition, mais aussi qu'on puisse savoir également quelle est la force de frappe aujourd'hui que nous avons par rapport aussi à notre plateforme qui est le frappe. Donc, vous avez tous suivi hier ce communiqué laconique qu'a fait le CNRD. Par rapport à ce geste qu'ils ont posé à l'endroit de M. Alpha Condé. M. Alpha Condé, c'est cet ancien président de la République qui a été victime de ce coup d'État en cette matinée du 5 septembre 2021. Et aujourd'hui, nous sommes le 23 du mois d'avril 2022, ce qui veut dire que nous tendons vers le 8e mois depuis que M. Alpha Condé a été victime de ce coup d'État. Ceux qui ont perpétré ce coup d'État étaient des hommes du groupement des forces spéciales, à leur tête un certain colonel Mamadi Doumbouya. Ce colonel Mamadi Doumbouya, ce soir de ce coup d'État, avait fait une déclaration au cours de laquelle il a expliqué le bien fondé, les raisons qui ont motivé ce coup d'État. Et il a expliqué, entre autres, que nous allons rompre avec le système du passé, nous allons, entre autres, nous servir de cette transition pour restaurer ce qu'on appelle la justice, pour combattre ce qu'on appelle l'injustice. C'est ce qu'il avait promis, mais force aujourd'hui est de constater que ce qu'il avait promis aujourd'hui n'est pas le cas. Nous n'allons pas nous atteler beaucoup sur ce qui est en train de se passer, seulement nous allons insister sur le fait qu'il y a eu, après qu'on ait constaté toutes ces dérives, on a constaté ce rapprochement entre la mouvance d'hier et l'opposition d'hier pour constituer ce bloc, pour barrer la route à cette junte qui est en train d'évoluer, d'abord les yeux, la tête baissée et le visage bandé et les yeux également bandés. Donc c'est des cagoulés, comme leur habitude le groupement des forces spéciales. Et là, puisque nous avons constaté toutes ces dérives, avec ces arrestations, avec ces emprisonnements, avec cette cour que nous avions applaudie à son arrivée, la CRIEF, qui est la cour de répression des infractions économiques et financières, mais notre déception a été celle de voir que, plutôt que de combattre, de mettre les crimes de sang en priorité et les combattre, et nous dire qu'ils sont ceux-là qui ont déchiré le tissu social, ceux-là qui ont tué les Guinéens dans les manifestations et dans tout le déroulement depuis l'indépendance, le CNRD s'est attelé à aller sur un terrain de règlement de compte. Et dans ce règlement de compte, nous avions insisté, nous avions dit que si toutefois le CNRD était sincère, lorsque M. Alpha Condé était d'abord dans le pays en résidence surveillée ou dans un endroit où c'était même pas connu, nous avions insisté jusqu'à ce qu'ils ont laissé M. Alpha Condé aller à l'étranger se soigner. Il est allé à l'étranger, nous avons suivi le feuilleton que nous avons suivi, l'audio, la vidéo, jusqu'à ce que finalement il a été ramené de force. Et quand il a été ramené de force, là aussi nous avions insisté sur le fait qu'on sache pourquoi, à l'image par exemple du Burkina, pourquoi M. Alpha Condé ne peut pas être amené en résidence pour qu'il soit là, qu'il jouisse en tout cas de sa liberté et que la justice commence à faire son travail. Ça, c'est ce que nous avions dit. Patatras, hier, le CNRD fait ce que nous avions demandé. Donc, en réalité, pourquoi nous sommes en train d'insister sur cette partie? Parce que jusqu'ici, nous avons dit que la question, c'est quelle est la lecture que nous devons faire. Alors, la simple lecture que nous faisons, c'est que le CNRD, comme nous avions dit, c'est un clan de personnes qui sont d'abord très peureuses, qui n'ont pas d'objectif en tant que tel, un objectif visible, viable et cohérent. Sinon, comment comprendre qu'un certain Sidi Souleyman Ndiaye, qui était le procureur, qui avait reconnu dans un audio, qui avait été pris en flagrant délit dans un audio, en train de tenter de corrompre un juge,
pour une affaire concernant un activiste de la société civile, l'un des membres du Front National de Défense de la Constitution, qu'il fallait condamner pour qu'il reste en prison le temps que M. Alpha Condé puisse perpétrer ce qu'il avait à perpétrer. Ces audios existent. Ensuite, lors des assises, il avait reconnu que ce qu'il faisait, d'ailleurs, il n'était pas le seul à reconnaître que ceux qui sont les instruments de justice n'étaient pas libres dans ce qu'il faisait. Et lui, après qu'il soit démis, il a été renvoyé de nouveau. Nous ne parlerons pas des ministres qu'on est en train aujourd'hui de repêcher, mais seulement nous rappelons que le CNRD, à sa tête, monsieur le colonel Mbaye Mamadi, avait dit que ce soit clair, il n'y aura pas de recyclage. Et si on met à relief cette phrase et on la met aussi en lien avec la phrase qui avait dit nous allons faire de la justice notre boussole, nous comprenons très bien qu'il y a une dichotomie totale, une divergence totale, un écart, un divorce entre ce qui avait été promis et ce qui est en train de se faire. Mais que cela ne tienne, ça, pour nous, ce n'est pas le gros du problème. Le gros du problème, c'est quoi? C'est lorsque, voyant qu'il y a un règlement de compte qui est en train de se faire par cette CRIEF sur des cadres en violation totale de cette justice dont ils prétendent avoir comme boussole, nous sommes montés au créneau pour dire que le CNRD doit arrêter ce cinéma et doit agir dans les règles de l'art. Et nous avions profité à l'époque pour dire, si maintenant M. Alpha Condé est revenu, pourquoi M. Alpha Condé ne bénéficierait pas de ce que M. Ibeka avait bénéficié au Mali lorsqu'il a été déposé par les militaires? Pourquoi M. Alpha Condé ne bénéficierait pas de la même chose qu'a bénéficié M. Marc Kaboré du côté du Burkina? Et là, quand nous avions dit ça et que nous avions mis ça dans nos revendications, que le CNRD devait ensuite ou normalement satisfaire, et voyant la pression sur cette date, et qui est d'ailleurs celle qui va être l'un des points du divers, voyant que justement la mobilisation du 5 les a secoués, et connaissant que la CEDEAO en a fait également un des points pour échapper aux sanctions, le CNRD a fait hier ce cinéma que vous avez suivi. Sinon, comment comprendre si M. Alpha Condé est réellement libre, comme ils disent, totalement? Comment comprendre qu'on dise que les gens vont venir le rencontrer à sa demande? Pourquoi M. Alpha Condé, désormais, ne se promènerait pas dans les rues de Conakry comme se promènerait tout Guinéen libre, tout citoyen normal? C'est la question que nous posons. Et à cette question, vous avez tous la réponse. C'est que le CNRD est en train de faire également une fuite en avant. Mais cela n'est pas pour nous le plus important, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel que nous pouvons lire entre les lignes, c'est que la fébrilité du CNRD est en train aujourd'hui de se faire voir de plus en plus. Donc, parce que vous êtes nombreux à nous suivre, c'est que oui, M. Alpha Condé, quoi, qui t'a convaincu, on a dit historique, Andy Ngongol, et oui, on a dit CNRD, on a dit M. Alpha Condé, kaw nangano don ko honto woni est ce que moy jam ide ngandi on tuma don kanyum kadi wonno don seeda tum be yaltin mu be nabi mo sengo Dubai be ni woy mo yi nyaawnda gol ton dun don kanyum kadi insisto den dimbut en don moya ha be holli wonde ma hina nya ko wonno ene wirno den no na nyaawnda gol yi be holli wonde ma ko nyaawnda gol yi history ko ngi yeddo to tum e mu woni rapidement dun don kanyum kadi en yi kon dun insisto no den wi den be wadali dun don kon du yaltinay no den e kene yawi don kanyum kadi ha fi hollu gongol don kañum kadi andinde wonde ma eskawsi ko gonga ki moy jam kon wadi so wawali kon ko jindi ton fo yidugo le yimbe yimbe wadi duttu kon ko me wonne wolde don si yitoy don non video on nanoy don kadi on audio on scandale wadu don wadi hande kadi be yimbe artiri Monsieur Alpha Condé o yi kadi no ar no Monsieur Alpha Condé artirira don o adda tum on nada ka der leydi lagine ko de wewtuno do fo andi o arti do kañum kadi en wolu no wiide ngawa jonno bay o arti fi hon du wano Burkina militaire be wonnobe don ben kambe bay be gayni wadde coup d'état ma be wadi durée de transition be wadi ko be watta konfu fi on Monsieur Alpha Condé yaltinta ke kene bay en insister don don non e yugol mabbe be anda date du 5 ans o batti ke tawdo hulbini be on be wadi non hande kadi o geste mabbe mo be wido be ni hande kadi Monsieur Alpha Condé ko libre entièrement hande kadi o jogaka wiure non question mo wonde landade don si ko gonga be woni wadde stayna kulol fi on dum be inni o accitama e ko wawa yidude e fami politique makon e fami biologique makon e dembe o fala yidude me ko e makko yurata o inna kari e kari mi yida em goddo wondo libre ono wombe darde lambe do
est-ce que comme ta watara kon on inata yida e goddo si wawo yidude e makko fi on non par exemple wiide en kanyum monsieur Alpha Condé o jetta ta o to walba joni ko ancien président do justice o wad golle mod makko mundunde o yalta o jinda no fu jinde tan fi on o wayta ke yide de mawimo par exemple o ara ka siège makko e tout ça o wada ko do wadde kon fu wa citoyen jo normal jo ordinaire jo fi on dun do wadirali no donc o wadde non do joni pose même mine non deuxième point mede point taw do ngiden andi ko le 25 do woni date limite mo tawata CNRD on jonnano mo CDA on jonnanobe andi tin non CDA on CNRD on nanguno tapugol berne mudum be inni kambe ko NPI souverain be inni kambe deja bay sanction jidi wadama e hore Mali din sanction jidi be inni kambe be wawata nyinnude di ko non wonno din sanction jidi ko wonde makala din peji wonde kande CDA o hande kadi gollidata e Mali wonde ma Mali kanyum kadi fermante kala ko inete porji ko dum woni en realité sanction ko dum woni on sanction ko yuppugol leuru ko dum woni yaggingol kala on tawdo aray o holli jaggande ko be ni do aray dum ay so aray dum on sino nana de an joni aray de ngani dirde fi en continue goddo wido lo son désolé ok ah voilà joni en famille aray be wiube do on désolé do aray ko no kasa be sikunani ngari son on ala yawde moja bon de toutes les façons continue yewtere meden den wiuden sanction ji wadanodi din di CDA wadanodi e hore Mali gine jabano kanyum teddingol di gine jabano jokkugol e majji wada ko hani ko wonno non gine jonnuno on duma comme kon ko wonno kon tawata ra ko rezo be inni fewndo on duma wada e no on sanction ji wadeteno on somme wadanodo dom be inni gine tawano ka hin ko gonga kono gine ko suspension wada den na exclusion wadane kono senindiri din don ko wiugol an on taw a hana haray yettude yewtere dum do haray ko tawon inama fima on tonintina nama taw ko dum woni haray ay tawna nama nganto awada nama nganto taw ko dum woni haray alors que non ko be inata kon exclusion ko dum woni hande kadi aradama yaltinama derto lagine yaltinaka e der CDA on lagine suspenda e der instance di CDA odi sitay non wontuma yuno den colonel Laima Madi hadi o jaba dum non ko paske mo andi ka Mali fokkiti don kanko kadi ko don o fokkiti ha mi jonni on o histoire fe you know don hakkunde be apprenti be dido ka sakum pomme de terre ka oya wujjuno don sakum kun nabi ku yeyo e gol kun sakum nango ya fimu be ni arano e gol mo tundi mo jo makko on wulli jula muso be ngini dari yurmondiral dari weldiga di mo jo makko on fokkintina ma tun ka sharia o wulli alors que realite ko no wulli no ba hewto ya makka sharia tay jaka ko kanko wonno wujjunodo saaku kun jonni oda on don kadi jonni yeyo yo wonsi kun nangoya donc en réalité ko andugol makko wonde makko oda hebi kon ko dum habbimo ko dum wonno wullinimo donc colonel Lai Mamadi ko andugol wonde makanko e goita ibe maridi to nokku go kabe yobondiri ko dum wadi si o wowlirno dum don hande don alhamdulillah rabbil alamin muradun dum en evoli do ay ngandi wonde makambe kadi be yi ko hebi ko mali uno ben kambe transition mabbe on ko 5 ans on 5 ans don be artiti 3 ans on 3 ans don be artiti 2 ans joni do ko leppi sedaaji be woni négocier de fimo be sikuno be mari dole kambe CNRD be sikuno wonde may be waawi dartade joni non ko on woni kabe humpiti ko on woni non din sanction ji wonde arde do waden don non hare pose on wawlen taw e français si arte non e pula le CNRD aujourd'hui, pour le bonheur de ceux qui sont en train de nous suivre sur le deuxième point, puisque nous avons évoqué le premier point pour émettre ses doutes et son manque de sincérité de la part de cette démarche du CNRD, qui dit avoir libéré M. Alpha Condé, mais qui pose malgré tout certaines restrictions à cette liberté qu'ils disent être totale. Une liberté où on dit que M. Alpha Condé va rencontrer ses proches à sa demande. Pourquoi c'est à sa demande? Souvenons-nous que le chargé de communication du gouvernement, qui est Monsieur Ousmane Gawal Diallo, avait dit que Monsieur Alpha Condé est celui qui a refusé de rencontrer à l'époque ses cadres, de rencontrer ses proches du parti politique. Il avait dit que Monsieur Alpha Condé était tellement en bonne santé qu'il faisait le sport. Ça, c'est ce qui avait été dit. Et apparemment, c'est la même communication qui continue aujourd'hui, parce que lorsqu'il était aussi à Dubaï, on disait que là aussi, il ne pouvait pas rencontrer sa famille politique ou bien ses personnes d'autres nationalités, des Ivoiriens, des Camerounais, des Gabonais qui étaient venus le rencontrer pour s'enquérir de son état. À l'époque aussi, on nous avait dit que c'était impossible de le voir. Donc, vous comprenez bien que M. Alpha Condé, comme nous avions dit, c'était un otage politique. Et pourquoi il avait été amené à Dubaï, nous avions dit et nous avions insisté, c'était pour qu'il aille débloquer de l'argent dans ses comptes et les faire ramener
au CNRD qui en a sérieusement besoin pour faire tourner cette transition parce qu'aujourd'hui les caisses sont vides. Nous avions parlé de cela. Et lorsqu'il est rentré et que cette CRIEF est en train aujourd'hui de presser certains cadres afin de tirer le maximum de jus, donc de mettre cette pression afin de dire qu'ils sont en train de récupérer des biens, vous avez suivi ce feuilleton où ceux qui sont libérés aujourd'hui sous caution ont été libérés parce qu'ils ont donné soit des garanties en nature ou bien des garanties en document. Donc vous comprenez bien que le CNRD a mis comme priorité la récupération des biens parce qu'ils ont besoin d'argent et que M. Alpha Condé est ce otage politique qu'il faut utiliser d'abord comme bouclier pour ne pas qu'il y ait de revendications et des manifestations, mais en même temps aussi ce otage pour calmer ces cadres qui devront de facto accompagner cette transition bon gré mal gré. Et là, sachant très bien que nous avons programmé cette manifestation, cette grande mobilisation du 5 mai, voyant qu'aujourd'hui ce front commun entre l'ancienne mouvance et l'ancienne opposition, le CNRD était obligé de céder à cette pression afin de diviser cette force, ce front commun entre l'ANAD et le RPG arc-en-ciel et toute la classe politique en un mot pour ne pas, excusez, pour ne pas tout simplement. Pour ne pas tout simplement circonscrire cette lutte à une petite portion de la classe politique, parce qu'il s'agit de toute la classe politique en entier, et bon, en entier, parce que ceux-là qui ont décidé de ne pas se joindre à ça, pour ne pas, ceux qui ont décidé de ne pas boycotter et de suivre le CNRD, ils le font parce qu'ils ont un intérêt, parce qu'il y a une alliance que nous allons développer demain entre ces partis politiques de 0,0 quelque chose et ce CNRD. Qu'à cela nous tienne, nous revenons encore pour insister avant d'attaquer le deuxième point qui est celui des sanctions. Le CNRD voyant que s'il ne lâche pas du lest et qu'il libère M. Alpha Condé, avoir aujourd'hui sur leur trousse ou contre eux à la fois l'ancienne mouvance et l'ancienne opposition, ce n'était pas une bonne chose pour eux. Surtout, il faut rappeler que le lundi également, il y a ces enseignants qui ont fait cette journée de grève comme étant la journée de déclenchement d'une grève générale et illimitée. Et vous savez très bien, lorsque les enseignants boutent les classes, ce sont les élèves qui, à un moment donné, vont sortir dans les rues. Et ça va être une chose que le CNRD ne pourrait pas contrôler. Donc, c'est avec cette pression que le CNRD fait une fuite en avant, fait encore une manipulation comme ils ont toujours fait. Avant qu'on se rende compte, ils étaient en train de faire des actions à l'endroit de l'un, au détriment de l'autre, et renverser là la manivelle, faire un geste à l'endroit de ceux qui étaient frustrés. Et vice-versa. C'est ce qu'ils ont fait jusqu'à ce qu'on comprenne le jeu qu'ils ont fait et qu'on fasse un front commun contre eux. Aujourd'hui, ça commence à payer parce que ce geste, même si le geste étant un geste de manipulation, au moins le CNRD a montré aujourd'hui, à travers ce geste, qu'ils sont fébriles, qu'ils ne dégagent pas une sérénité et que c'est le peuple qui est fort. Donc, le deuxième point, qui c'est celui justement des sanctions. Quelles sont ces sanctions que nous avons aujourd'hui? Vend. Vous savez, désormais, la CEDEAO d'abord a comme outil pour sanctionner les dirigeants, pour sanctionner ces organisations ou ces dirigeants, ces chefs d'État qui ne veulent pas du tout se conformer aux règles internationales, c'est d'appliquer des sanctions. Ces sanctions, il y a des sanctions militaires, il y a des sanctions économiques, il y a des sanctions financières et il y a des sanctions aussi diplomatiques. Quelle est la différence entre celles-ci ou bien quelle est la finalité lorsqu'il y a une sanction qu'on inflige sur un régime? D'abord, c'est de faire en sorte que que la marge de manœuvre soit très réduite pour ces personnes. Parlons justement de ces instruments que possède aujourd'hui la CEDEAO. La CEDEAO, en faisant ces sanctions économiques sur le pays, ça va affecter tout le pays en entier. Et c'est une chose qu'ils essayeront d'éviter pour ne pas que la population guinéenne en pâtisse. Même si au finish, au niveau de ces sanctions économiques, on fait un gel de tout ce qui est opération bancaire envers la Guinée. Et entendez bien, lorsqu'il y a gel ou suspension ou arrêt des activités, des opérations bancaires d'un pays comme ce que subit aujourd'hui la Russie, c'est que si la Guinée a des dettes envers un autre pays, ces dettes ne pourront pas être payées et qu'est-ce qui va suivre? C'est que ce sont les agios, ce sont les intérêts qui vont s'ajouter et ça va être quelque chose qui va nous impacter. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez vu récemment ces signatures de contrats et des contrats après obtention justement de prêts pour la Guinée.
ses prêts aussi pourront être impactés. Prenons pour exemple cet échangeur, par exemple. C'est un exemple banal que nous sommes en train de donner pour faciliter la compréhension de nos téléspectateurs. Un contrat comme celui de l'échangeur, si l'argent devait, par exemple, venir de l'Europe, ou bien, disons, puisque c'est un fonds cohésien, si toutefois on dit que désormais, puisque aujourd'hui la Russie ou bien le Mali est en train d'utiliser ses canaux de l'Asie par le Qatar pour faire justement entrer de l'argent, donc la Russie, si elle doit payer par exemple un projet comme Rusal ou comme SMB, c'est des exemples banaux comme ça que je suis en train de donner. C'est ça se dit d'ailleurs, excusez-moi. Donc c'est des exemples, c'est de manière banale que je suis en train de donner ça. Si toutefois aujourd'hui Rusal doit payer ses fonctionnaires et qu'il y a aujourd'hui des sanctions sur la Russie, ils peuvent passer par l'Asie, par une banque asiatique, donc une banque du Golfe, pour faire transiter l'argent en Guinée. Et lorsqu'il y a maintenant des sanctions et qu'on dise que si le Qatar, par exemple, ne se soumet pas à cette injonction d'interdire toute opération bancaire vers la Guinée, et qu'eux aussi pourraient pas, par exemple, que la Coupe du Monde soit boycottée ou qu'elle en pâtisse, c'est des exemples que nous sommes en train de donner. Si eux aussi ils se conforment, ce qui veut dire que les fonctionnaires de Rusal ne pourront pas avoir leur argent. Voilà des exemples de sanctions économiques et financières. Ce sont les opérations qui doivent aller et qui seront des opérations qui sont parfois des contrats signés avant l'arrivée de la junte. Si ces opérations sont impactées, c'est le déroulement de la, c'est l'impact sur le terrain en Guinée qui va subir le coup. Ensuite, il y a ces sanctions aussi ciblées à l'endroit de ces personnes aujourd'hui qui gouvernent, entre autres saisir certains de leurs biens. Vous vous souvenez très bien que le CNRD à ses débuts, lorsque la CEDEAO avait dit qu'il y aura gel des avoirs, que la Guinée est suspendue, le colonel Amara était sorti à l'époque pour dire que s'il y a gel d'avoir, ils n'ont pas de problème parce qu'ils n'ont pas de biens à l'étranger à l'époque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ils ont des biens au Sénégal, ils ont des biens en Côte d'Ivoire et ils ont des biens même en Sierra Leone. C'est connu aujourd'hui où sont les endroits où ils ont acheté des maisons au détriment de la caisse aujourd'hui qui est en souffrance. Qu'à cela ne tienne, nous continuons. C'est juste un rappel que nous sommes en train de vous donner pour dire que à l'époque, lorsque la CEDEAO avait brandi cette menace de saisir des biens, de les geler, à l'époque, ils avaient dit qu'ils n'en ont pas. Et lorsque la CEDEAO avait dit qu'ils seront interdits, par exemple, de voyage, ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin d'aller voyager. Et là, faisons une pause pour vous montrer l'un des risques aujourd'hui que court la junte, et en particulier celui qui a sa tête, le colonel Lai Mamadi. Vous savez très bien que le colonel Lai Mamadi, il a la double nationalité. Il est à la fois français et guinéen. Et vous savez, la loi française, et c'est comme celle aussi des États-Unis, permet de poursuivre un citoyen français pour un crime commis en dehors du sol français. Et c'est là où justement ça devient intéressant. Vous avez vu ces images du colonel Lai Mamadi après ce coup d'état manqué à Kindia, où il y a eu des gens qui avaient fui, des prisonniers qui avaient fui à l'époque la prison, s'emparer de ce qu'on nous a dit, partir avec des armes et fuir aussi avec certains prisonniers. Et vous connaissez très bien qu'il y a eu à l'époque l'un des hauts gradés du camp de Kindia qui avait été tué. Vous vous souvenez très bien de ces images du colonel Lai Mamadi en train de profaner des corps, en train de les manipuler de manière irrespectueuse. Ça, au niveau des traités internationaux, en termes de traitement des prisonniers de guerre et les corps issus de ces guerres, c'est quelque chose que les lois internationales condamnent. Ça, déjà, c'est une des premières des choses aujourd'hui qui planent sur la personne du colonel Lai Mamadi. Le deuxième risque, justement, toujours contre sa personne, c'est que vous connaissez très bien, contrairement aux anciens coups d'État que la Guinée a connus jusqu'ici, il n'y a aucun des coups d'État qui avait été fait pour prendre le pouvoir contre un président qui était vivant et qu'il y ait effusion de sang. Vous savez très bien qu'en 85, il y a eu ce coup d'État militaire, le coup d'État manqué du colonel Diarra Traoré à l'époque, mais celui qui avait perpétré le coup d'État n'avait pas survécu au coup d'État, c'est-à-dire qu'après, il a été exécuté. Mais cette fois-ci,
avec le groupement des forces spéciales, lorsqu'ils ont fait cet assaut sur le palais Sektouréa, il y a eu des membres de la garde rapprochée qui sont des Guinéens, qui étaient en train de défendre le pays, parce qu'ils étaient en train de défendre, bien que mal élu, ce président à l'époque qui était élu de manière constitutionnelle. Si nous parlons effectivement de M. Alpha Condé à son arrivée en 2010. Et donc, dans les lois internationales, les coups d'État ne sont pas du tout tolérés lorsque ces coups d'État, justement, sont imbibés de sang. Et vous connaissez très bien que M. Alpha Condé, même si lui, aujourd'hui, n'a pas été touché lors de ce coup d'État, son intégrité physique avait été préservée, mais un nombre très important de sa garde avait péri dans cet assaut. Donc ça aussi, la France veille sur ça. Et M. Lai Mahamadi, en sa qualité de Français, ça aussi, c'est un autre risque où il peut être poursuivi comme étant Français. Et ça aussi, c'est une pression qui pourrait être sur lui. Tout cela mis ensemble, ce n'est pas même exclu qu'une force d'interposition ouest-africaine puisse débarquer pour les déloger. Pourquoi nous sommes en train de vous donner tout ça? C'est pour vous dire à quel point aujourd'hui, cette gent, sachant très bien tous ces risques, sans parler des autres, pourquoi nous n'avons insisté que sur le cas du colonel, c'est pour que vous compreniez aujourd'hui cet empressement, cette panique à bord de la part de cette gent qui a compris aujourd'hui quels sont les risques qu'ils encourent. Sans parler justement de ces relations de M. Alpha Condé, qui commence aujourd'hui à se bouger, sans parler de M. Kassori, aujourd'hui qui est en prison, dont les relations et les avocats internationaux se sont penchés sur le cas de la Guinée. Donc tout cela mis ensemble, la pression nationale et la pression internationale, ont fait qu'aujourd'hui le CNRD, c'est le sauve qui peut. Artenon pour la do yewtenon di parti di do ya fodo non ko tawi ko ngara de jilli de parce que de ngandi o auditoire meden do ko jama fo woni en heditade wiwo den ka tobere di mere sanction ji di CDA wari den après ka yewtu den ko hondu woni manipulation mo tawata CNRD on wadude do fi kanyum monsieur Alpha Condé andin en do wonde makko ko be yiko be andi ngal nyallal meden ngal fokkintin den do wado wal do nyande juin mois de mai on si Allah jabi hawrito yodum alkam sa yontere o wondo e artitoyde do hay hewtali deja taw balde sappo ka yebbu den compagnie kon deja wadi e mabbe kon non woni on panique ko andugol mabbe ko wanno kon 2009 ko wanno kon 2009 ino way wadi to de kanyum gadi do si tay non be tanti dum do wono kambe be mari risque ji kon woni di risque ji mabbe don hebe comportorade do hande wa gouvernement taw do ko election addini be alors que non a réalité be andi ko yimbe ko wonki ji yimbe be soli be ari kalamu mino anda kañum kadi kanko digi colonel Lai Mahamadi ko hondo woni ɗin image ji makko wondi e circulde ko watno kon kindiya ɗi fureji ɗi wonɗo e yiide ɗo imo dasude tippine ngal picopwa andinen ɗon non sanction ji international ji ɗin siɗi waɗude sino waɗede ko leydi ndin fof sanctionnete kono no leydi ndin fof sanctionnete ko waɗugol par exemple inna kala ko wonko wiyete opération bancaire mbuɗi duwaɗi arde laguine jonni exemple on ɗo e français ɗi contrat ji tawɗi laguine hande ɗo wakkilike goɗɗi ɗin tawnoɗi ko négocianoɗi ado kañum CNRD on arde ɗo donc guibi laamuji feƴƴunoɗi ɗin hendi ɗen noon financement majji si innama noon joni laguine sanctionnama hande kadi innete ɗin mbuuɗi fokkitunoɗi hande kadi ɗi arata ko ɗum ɗo woni sanction économique et financière ko ɗin mbuuɗi fokkitannoɗi laguine hande kadi inne arata si ɗum ɗon no waɗali ko ɗum wonata conséquence on conséquence ara noon si laguine en no anda ide ñawli mbuɗi ɗi wonɗen e yoɓde lewru kala si wawata transfert de mbuɗi yaltine laguine ɗi yaaɗi hewto e ɗin banque ji yoɓe ko intérêt ji ɗin hande kadi ɓeyditoto e hoore laguine plus noon ɗi intérêt ji no yannude e hoore men plus ñamare nden ino ɓurtude tiiɗude ça c'est un deuxièmement kañum kadi siɗe mari wano ɗin chantier ji ɗi memminɗen ɗo ƴetten exemple wano o échangeur ɗo haysina exemple ɓuurowo kolude on ɗo échangeur on ɗo iɗen andi financement makko on ko mbuɗi wonɗe e iwrude ɗi banque ji katariji ko ɓee ɗin gouvernement ji Asie ka golfe ɗo woni e waɗude on financement joni noon a supposé ara wano union européenne noon ino mari ɗin financement ji ɗi ɓe woni en e waɗande wano laawi wono laptaneji wano l'école ji si innama sanction ji no waɗanede ɗo hande laguine CDAO on kala ko applique ko ɗum noon union européenne noon kañum kadi iwtirta ɓaawo muɗum fi on ɗum représentation maɓɓe équivalent maɓɓe on kamɓe union européenne noon ko on union tawɗo ko west africaine noon iɗen andi effectivement ɓurɗo feppodirde muɗum ko union africaine o ko ɗum ɗo woni ko feppodirta e union européenne o kono union africaine on kañum kadi no waɗi nden mojoɓere tawde wi joni
sengo kala kanyum kadi no mari dem mo jobere mo wano sengo en kamede ngol lagine o ko CDA on taw don ko communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest kambe kadi ko ben don be hertorani den golle don si ben don jokki golle den be wadana contrandi union africaine non union africaine non kanyum kadi ka collaboration mudu nga union européenne non kambe kadi wadana be contrandi donc si CDA on DCD par exemple bay tum kanyum CNRD on jabali nantondirde mabbe sanction ji wadama din sanction ji don kadi union africaine non kadi validata ko din sanction ji don kanyum kadi ino union européenne non kanyum kadi validoita donc mbudi sino foki tani wano chantier la Guinée min non hande kadi bloqué si din don non bloqué ma kon wonata conséquence kala den taw de ngurdam mabbe ko e on chantier donc si be yino be gollino yon don be heba mbudi ko si din l'école ji don darnete be yobe ben no fu hande kadi be woni bloqué watti don non kanyum kadi si wano de nawnare don no wonirno do ni ire ngandi be wawata bloku de wano di vaccin ji motori arana la Guinée parce que do ngare ko population ngo wonata ko sanctionnete hebe mari non kadi din sanction ji tawoji ko cible te inne me on upata lo irundu Guinée fo parce que na Guinée fo tawti be dundo kono men hula e ben horebe ben hande kadi men juppa be loyru joni non ben horebe don yetting example do goto ngi mabbe taw don ko colonel Lai Mamadi colonel Lai Mamadi de ngandi ko citoyen français jo parce que e hore ko jogi citoyenneté guinéen ho ire ngandi mo jomminire porte française yo tawdo haye ko gendarme jo sabu non on liemo mari dion e france don hande do si union européenne on inni par exemple ko wadu sanction cible ji kanko déjà juridiction ji din france no wayo mo poursuivre de en sa qualité de citoyen français kon non be poursuivre ta mo fi modon ko be poursuivre ta mo ko tawata kon sariaji international ji din hidi wi wonde ma si gere no wadede mawbe nayo meme bibbe nayo ware nokure ka dina wadete nayo lanke laptaneji nayo lanke eno wi amun kadi si goddo nangama nayo o lette nayo o lette ko yo jogore no wondire teddunga so nade de kaso nade kono nayo par exemple yo holle ka warete holle ka o dedde holle ka o dasete dun don ko wuro don be wi kadi fureji din si goddo mayi fure makko kadi ko teddintedo si on fure don teddina ma nayo jinsire no jinsirawo o fonno mo yi kudeta manke mo be wi on wadino kindiya bembe be yawno don be nangoy sori be be felli ma wabe ine ko kasla mo kobe be wadi be oji o ngal piko poal don ngal tawato yi colonel Lai Mamadi no wonno dasirde dim fureji do dun don on kal roi international yu gol dun don tun deja ko crime non parce que ben don no wona woni wono be wona woni enquête taw no do wadede ko honno tawiri ko maybe mabbe addana wurbe mabbe be est ce que fondo be jokkano don wawata no tawde bembe nangete harana haabe ware on enquête don no wawade hore makko kanko en sa qualité de citoyen français surtout déjà ko légionnaire jo ko tawado formation en France no mari responsabilité mabbe on e kanyum colonel Lai Mamadi parce que ko kambe formimo ka légion française so immo non warti lagine o fuddi gollude to donc be mari responsabilité morale e kala on acte mo wadi surtout kadi ko citoyen jo mabbe dido fo ko hawtondiri don watten don non hande kadi kudeta mo kambe CNRD on be wadi fi magol ala kalam andite lagine hari kudeta wado jidi fo ko e hore fureji se jetti exemple wano kanyum Sékou Touré kudeta mo kanyum Sémeré no watno hadi Sékou Touré fejjini se ndari kanyum Allah hinno colonel Lai Mamadi general Lansana Conté kudeta mo CNDD wadi on hari hari general Lansana Conté fejjini Odo tu woni pour la première fois on coup d'état wadete do e hore on wurdo yimbe maye e der coup d'état aw ben no maybe non hay si tay Alpha Condé innete na lando tawnodo ko jodorido no labidi kono o moy ko election wadono 2010 o yimmi o adda o joggina kala ardo holli dole itti on do wari ben tawnobe hari dennyande hino dartanade mo fi wata o meme hare no way wasi ko aggression territorial wada dennyande donc ko Guinée be wari be nyande Guinée woni ko warbe bemba woni ko warabe bemba kanyun colonel Lai Mamadi mo doa répondre din acte ji don hande non simo marno non hari hakkil simo marno non hari non barki simo marno non hari moddere dun don fo no wawano yeggitere so arino wadino golle labude hande kadi holli ko wadano dun non ko fiwata wumki ji go kadi warite joni non e yi o manifestation fokkintinado do motawa taw sibe forci situation on wobbe go kadi warete mum donc holli jaka ko be arno ko be ni be arani fi mon nagonga en fo yi o procureur du Sidi Souleymane Diaye ardirado do motawa to wiuno en no kanko ko addimo ko parce que o yi
Obéissons-nous encore la politisation de l'administration, la l'instrumentalisation de la justice. Quand nous allons donner pour l'al, quand on a donc handé que des citoyens à Golai Kalam, quand ils ont été attaqués, Lam Wongutongo, quand ils ont été agités, mais quand politisation. Hara ko woni wo ko ndaaru gol politique on sita itun awi a wonda la mu ngun ko akipirte do e mudu sita wonde la mu ngun hay sa bondo ko a golle de tedo instrumentalise gol ka di justice on ko yo tan sari on ko sari a sengojo ko do woni angi da way bonno de sita wonde la mu ngun akite daara fu wada lima a wona bonnali bay tun arayda darti la mu ngun wona ko a bonno do nangela donc di do non piji fo kambe hande CNRD on ko be wiwno el nyande be jetti la mu ngun wonde ma dim honde kadi di acce yugol non anda hande do e konko be fodu nodon be hunnali ko didon fo non hawtondiri jonnon cede ya on sino wadde sanction no way suutu de wano be do jawle de tawno be innono be fondo be hendike laamu on kanyum colonel al amara ko wiwno ko wonde ma si cede ya on jelay be jawle jabay be biyenji interdisanay be voyage hande kadi do wano kanyum colonel bala samora be ngure makko wonde france den hinde wawe nangede de ratte de natite lagine dun no wawa wadde si mo soudi soudi France ton nous soudi makko kadi piendi makko di no wawa jabede ainsi de suite donc dun do fo be yino arde hore mabbe ko gol kulol do non fo hande kadi woni ko be pousi be do ha darugol mabbe no be bonnira mouvement meden on mo projet tuden do fi wota be hebo be aybe do fo de wotere ko dun do fo be no bonnitugo donc ara yewtere meden den de juuti en fondi en juuti tande do hande do ara hiden hadude de wadon are non joni attaque diverge din kon woni din diverge di wonde yewtude do fi mum parce que on fami sanction jaro yo jidi taw jidi di beydo to kadi e sonjamo gine en jommari don andon non don kanyum kadi sanction ji go kadi si wado yi hore port autonome Conakry on secteur buro yo tampo de on ko terminal container on non terminal container ko piji tati woni hawtondirde don ben don be burta sonjoyade aranon e majje ko katawata don sur le plan international lami do kanyum Bolloré on groupe Bolloré on mo mari hande do procès sur le plan international tawoji din procès don fo impact ay kanko société makon kala ka woni woni ko Cameroun woni ko Côte d'Ivoire woni ko Gabon kala ka woni ri so woni ko Togo kala ka woni ri kanyum on société makko hebay ngakuro dun ko aranun do dimel mudun kanyum kadi hande do flux international on ko tawata ko ngare conteneur ji din no duyti circulation bi majji sabu inflation mondiale wadu don dun don kanyum kadi impactay kala ko wiyete on terminal a conteneur y compris mo la Guinée donc en fami don piji didi impactay terminal conteneur ka tawata do hande julabe be ala sodirde marchandise wano wonirno non aranu e ko tawata yewtino fi Shanghai ko fermi ko troisième des raisons enen kame den on non la Guinée katawata ko non justement julabe be be décidé kadi en boycottay kala ko ni activité économique e ko tawata ko ngadi be wawoyta yobude parce que kon dum wadata mise à pied ko tumata yida mari gollobe sappo den golle hada de hebata de nyallal ko yimbe tato wadayno a wonay obligé natugol ga suudu njeedi dobe ben parce que wata yobude ben don fo donc aray dun do ko l'attention de ceux qui travaillent au port autonome de Conakry plus particulièrement ceux qui sont au terminal conteneur les nouvelles ne sont pas du tout bonnes pour vous parce que déjà sur le plan international le groupe Bolloré Africa Logistique ou Bolloré tout court a aujourd'hui des déboires avec les procès qui sont intentés contre son président à la personne de Bolloré. Ensuite aussi sur le plan toujours international, et là quand nous parlons du premier, c'est-à-dire que partout où Bolloré a des activités en Afrique, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Guinée, partout où le groupe installé, le groupe Bolloré est installé, il sera impacté dans ses opérations parce que ces opérations judiciaires, ces opérations, ces procès en un mot vont impacter la crédibilité, l'image de l'entreprise sur le plan international. Ça, c'est un. Et cet impact, cette affectation aura un impact sur les opérations de la compagnie partout où qu'elle soit. La deuxième des raisons qui feront que le terminal à conteneurs sera impacté, c'est qu'il y a aujourd'hui une récession mondiale qui est en train de prendre de l'ampleur, qui a fait qu'aujourd'hui, avec le confinement dans la ville de Shanghai, le flux des conteneurs dans le monde aujourd'hui est réduit, ce qui va impacter considérablement
les opérations à Conakry au niveau du terminal container. Ça, ce n'est pas un cas isolé, c'est valable pour tous ceux qui sont ports aujourd'hui dans le monde. Et troisième et non des moindres, c'est que pour le cas de la Guinée, aujourd'hui, avec la réduction des opérations, avec la réduction des activités économiques dans le pays, il y a moins de commandes pour la Guinée au niveau des commerçants. Et quand il y a moins de commandes, c'est qu'il y a moins de besoin de moins d'activités, et moins d'activités entraîne également moins de besoin de main-d'œuvre. Donc, au niveau du port, il y aura des mises à pied bientôt qui vont s'opérer. Ça, c'est au grand dam de ces familles qui vivent de ce terminal à conteneurs. C'est vraiment regrettable, mais c'est des choses que nous préférons vous donner. Maintenant, ajoutez à toutes ces crises, ces sanctions économiques et financières qui vont commencer à s'abattre sur la Guinée. Parce que parmi ces sanctions, justement, qui vont s'abattre sur la Guinée, c'est d'interdire, par exemple, des opérations d'achat ou de vente allant vers la Guinée ou bien venant de la Guinée. Entre autres, l'exportation que la Guinée ferait, par exemple, dans les prochains jours, pourrait être impactée, entre autres même, ses exportations minières. Ensuite, sans oublier que tout ce qui est opération, par exemple, de vente d'armes pour la Guinée, seront sanctionnés parce qu'ils vont faire des sanctions militaires également sur la Guinée. Les cadres seront ciblés. Donc, tout ceci réuni nous amène justement à ces divers que nous avons. Quels sont ces divers? C'est de dire à la population que la journée du 5 mai 2022 est toujours valable. Et demain, vous allez avoir ici un plateau spécial ces personnes justement qui sont aujourd'hui en train de se battre pour qu'il y ait cette mobilisation nationale et internationale. Ce n'est pas au niveau d'une seule région ou bien au niveau d'une seule ville qu'il y aura ces mobilisations gigantesques qui vont demander tout simplement le départ du CNRD. Mais nous ne demandons pas le départ du CNRD comme tel pour dire qu'il y aura une insurrection en tant que telle. Ce que nous sommes en train de demander, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Ce retour à l'ordre constitutionnel veut dire quoi? Veut dire aujourd'hui que le CNRD n'a pas pour vocation de venir faire ce qu'ils ont en train d'entamer aujourd'hui comme chantier qui peuvent s'étaler sur plusieurs années. Entre-temps, c'est la population qui va subir les conséquences de ça. Parce qu'une transition, par définition, c'est cette période entre ce qui était mauvais pour aller vers ce qui est bon. Et cette transition, plus elle est longue, plus elle risque d'être infectée par l'ancien système, donc la gangrène qui était là, qui va l'infecter, elle va être problématique. Ça, il ne faut pas être Einstein pour comprendre qu'une transition, si vous voulez qu'elle réussisse, vous devez la rendre très courte et concentrer les points de la transition à l'essentiel. Quel est cet essentiel? C'est la justice en tant que telle. Cette justice qui est celle de ne pas faire cette sélectivité et de mettre les crimes économiques comme priorité sur les crimes de sang, ça a été la plus grande arnaque, le plus grand péché mignon du CNRD aujourd'hui qui est en train de faire des règlements de compte. Donc, soyez prêts pour cette mobilisation. Demain, aujourd'hui, on avait promis de parler sur Monsieur Lansana Kouyaté, mais on a dit de réserver ça demain parce que demain, vous allez être vraiment très servis. Sur ce plateau, vous allez voir les représentants des quatre régions naturelles, des activistes qui se battent pour qu'il y ait la justice. Dans cette justice, vous connaissez très bien, vous avez appris cette libération en catimini de l'agent Alia. C'est commandant Alia ou c'est colonel Alia, commandant Alia si je ne m'abuse, mais qui a été libéré mais qui a été muté en même temps, nuitamment dans une ville de l'intérieur du pays. Aujourd'hui, il n'est pas le seul dans cette situation. Qu'en est-il de ceux qui étaient emprisonnés dans les camps de Soronkoni, ceux qui sont à Sigiri? Qu'en est-il de ceux qui sont même à Conakry, qui sont ici justement de ces recrues de Kalia? Lors de la transition du CNDD. Tous ces hommes en uniforme, tous ces militaires aujourd'hui, dont certains sont de la forêt, ont des représentants qui vont venir s'exprimer ici et parler justement de cette injustice que subissent leurs proches. Les familles de ces personnes vont s'exprimer et dire combien de fois, si le CNRD était sincère, il devait s'atteler sur les cas de ces personnes-là. Sans oublier également que dans cette transition, nous avons aussi
Un autre point qui est un point nodal, c'est celui justement du cas du 28 septembre. Ce dossier qui traîne aujourd'hui depuis plus de 12 ans ou plus de 11 ans, parce que c'est de 2009 jusqu'à maintenant, plus de 12 ans, il n'y a pas eu de sérieux dans ce dossier. Et pendant ce temps, il y a un ancien président de la République qui est aujourd'hui en exil forcé, qui est à Ouaga alors que sa place c'est dans le pays et il s'est dit être prêt pour venir faire face à la justice de son pays. Pourquoi le CNRD ne s'est pas bougé dans ce sens? Donc voilà, entre autres, toutes ces revendications que nous avons sur la table et que nous exigeons au CNRD de régler si toutefois ils étaient sincères. Donc, haray den sakito de yewtere nden do andingol jango, haray no mi do tori on do moƴƴa yo wonu endil jam. Mi falano yewtude do moƴƴa fi naafi giɓe ɓen, yewta en kañum kadi haray fi heferɓe ɓen. Anditina en ka diina islam, cortewol mo naafi unagol ko gotol woni ka alqurana. Ngol ka ba cortewol kafir una ka ngaccon hakke ko gotol woni ka alqurana. Ngol cortewol ɗon ko kangol woni temedere e jeenayi ɓongol, ayeje maggol ɗon ko jeego. Allah yewti fi heferɓe ɓen o juutinali yewtere nden o raɓɓindini nde moƴƴa non o wii votre kanginon ton menen kadi kan amen on ino ton c'est à dire kefeere on o metta gerdude mum siɗa andi kaari ko gañoma laaɓuɗo iɗa andi ko gañoma iɗa andi kon no gerdata e makko ɗon haala kan juutata kono ko hombo woni mettuɗo fi on ko o naafigiijo o tawa won Allah ino yewti fi makko ko alqurana e ngol cortewol tawgol ngol ko kangol woni capanɗe jeegaɓol e tammol ngol ɓeyna ngol ɗon les hypocrites ngol ɗon ayeje maggol on ko jelu ayeje maggol on kañum ko sappo e goho e nden suratul munafiquna ko honɗum Allah yewti fi ɗum ɗon ko holli on ko konko tawno kon o jalousie créeyinoɗo par ce que omo ɓe innata Abdoulaye bon Obaid bon Saloul eɗen andi on ɗon ko tawnoɗo ko honɗum waɗi créeyi ha o woni on kanko hoorejo naafiguiɓe ɓen ko tawnoɗo haari himo andidiri e nelaɗo kono ka wiwno ɗon tawi mo fokkitani hari jullere tawnode hari o wonay no koowojo e nder makka o yiyoy noon nelaaɗo memminike fi maɓɓe fuɗɗike towde o yii fi diina islam tan towi julɓe ɓen feri immike yehi wonno yi hande kadi e nden saare nde tawata nden saare ɗon kanko hari ko nden o waɗuno o wonay no koowojo e mum o yii goɗɗo noon ari hande kadi woni koowojo hoore makko e hoore on teren ɗon o heɓi jalousie ngi jalousie wi waɗi o wata yaltinde e kene ngaygu ngu o mari ngun ko yo suudu ngu o yaltina e kene wonde may mo mari giggol eɗen andi ngol juure ngol cortewol ɗon ko yewta nder ɗon konko ɓe probituno kon waɗen ɗon noon pose un ɗo taw kon haray hiko woni très important par rapport e situation mo wonɗen on ɗo ɗo en aroyde ɗo e ka musidɗo meɗen ɗo hande wonaɗo e ɗuppede loyru hande ɗo ka réseau sociaux ji rapidement eɗen andi naafiguiɓe ɓe wiwɗen cortewol juutugol no adda fi maɓɓe mais ngol cortewol ɗon kadi no mari kadi corteji ɗiɗi jomodirɗe e maggol ko honɗum woni ɗin corteji ɗini ko suratul ahzabi e suratul hasri suratul ahzabi ɗen andi ko capantati e tati woni numéro maggol on kangol hingol mari ayeji jol ngol mari ayeji capanɗe jeeɗiɗi e tati waɗen no joni calcul on ɗo e ndaro moƴƴa ha honto Allah no insisti fi naafiguiɓe ɓen ka nder alqurana fi en waw andude ha honto fi maɓɓe on no hulɓini suratul kafiruna woni kañum ayeje jeego suratul munafiquna woni ayeje sappo e goho o yi ayeje joyi ɓurdiɗon tun hakkunde kañum naafiguiɓe ɓen e julɓe ɓen kañum hakkunde kan naafiguiɓe ɓen e keferɓe ɓen aren no joni kañum kadi e corteji ɗiɗi kadi développude konko feƴƴi e nder ngol ngol cortewol wiyetengol ɗon munafiquna wiwɗen en ƴetti suratul hasri tawgol ngol a réalité ngol ɗon ko exode on joni noon ƴetten ɗon on exode ɗon ko honɗum woni exode ko honɗum woni tigi tigi yimɓe ɓen ko tawata haray ɓe sakitoto ɓe yalta ko honɗum woni yaltugol ko honɗum woni raɗagol ma raɗigol ngol ɗon kañum kadi e wihingo mari kangol kadi ayeje nogay e nayyi joni hawtinden ɗon ɗen nogay e nayyi ɗon wattende e sappo e gooje ɗe yewtunoɗen ɗon ɗon tu woni ɗon taw jeɗu capantati e joyi ɗa han joni bujale ka jeegogo e ka ayeje jeego aro en non joni kañum kadi e suratul ahzabi o tawgo ngol ɗon kañum kadi ko coalition ji ɗi coalition ji ɗi tawata janggo o yiyoyay ɗo si en ari en hewtiɗo e o directement mo wiɗen ɗo en hawtidiro e yimɓe yewtoje woɓɓe yaltoye ɗon critique konko waɗoyɗen ɗon ɓe yeggita noon ko honɗum feƴƴuno ɓawo ɗo waɗen ɗon noon insisten ɗon moƴƴa e ngol suratul ahzabi ɗon tawgol kangol ngol mari ayeje capanɗe jeeɗiɗi e tati
hawtindirenɗa capanɗe joyi on e capanɗe jeetiɗi e tati on ɗo woni ɗon tunjelu. Donc wattani yila si Allah yewti e nder aayeje cap ɓuri temedere fi neɗɗo, o wolaali kadi fi makko ka nder ton, seke ko piwum hare mawnugon, ko piwum tiiɗugon, ko piwum mettugu gerdugol wo ko ko wiyete naafigi. Parce que naafigiijo on o wonata sincere ka cippiro ha wawa andude ko honno wawirta gerdidirde e makko, o laaɓantama toujours. Kadi sa fokkiti o tawdete ma kala ko fokkitanɗagoy, o wawa andude ko honɗum woni ko eɓɓuɗa. O memminane noon soñja o soñje ɓuri oɗa ko soñjayno maako. Par ce que on ɗo mi yeyteke on gibi ka anduɗa kaari ko gaño an ko bonɗo e an, hiɗa andi ko honno gerdirta e makko. Kono on mo tawata hiɗa wondi e mum ka cippiro maɗa, hiɗo waɗidude cippiro, mais en réalité a wedditoɗo tun o ƴuppama ma o tappira ma o soñjirama goɗɗum, oɗo no metti gerdude. Fi on no gonmi e insistirde noon ɗon. Hiɗe reni hande ɗo frappe on ka woni e fokkitade kon, min naali exactement ko ça. E yiɗo hande ɗo jalousie wi e henni wonge fokkitude e hoore frappe on. Haalaji ɗin fo tout est permis waɗugol e hoore frappe on, tout simplement fi salisugol ɗum ɗo. Chacun est libre waɗugol soit makko. No woniri noon ka wiyano lakum dinukum waliya din, kala ko suɓi ɗon ko droit moɗon suɓagol. Goɗɗo wata arde doola on wonde makko ma taw ton. Kono onon kadi wota on doolu jama on maaɓe tawta on e konko wonɗon e jokkude. Si on wi'i tun onon ko ɗum ɗo ƴettuɗon, jogite ɗum ɗon defan ɗon wakkilo ɗon e muɗum ha ka yaltoy ɗon wo, ko ɗum ɗon woni rôle moɗon o. Maintenant ɓen noon tawɓe ɓen kamɓe hiiɓe andi ɗum ɗo heɓay doole ma ɗum ɗo fokkiti ɗum ɗo marto e. Tawɓe ɓen noon kamɓe hay koɓe fonduno koko maɓɓe tun tun ma ko yaadu maɓɓe nen tun. Sifano Abdoulaye Boun Saloulu ɗo tawno himo profitude kun henu wonno kon entre mo Hajiruna e Ansar, o créa ɗon non gin division wi oɗo eɗen andi ko honno tawiri lannode maɓɓe nen e ko honno tawirnoɓe ƴuppinelaɗo, ko honno ɓe soññirno dina ka. Ko honnum kadi waɗi si nden deftere ɗon tippini ngol cortewol ɗon fi maɓɓe, ɗen andi ayeje ɗe ɗe ɗuuɗi yewtude fi mum. Kono mi insisti kum parti um ɗo fi e watta yila moƴƴa. Anden wonɓe combatude frappe on ɓen, wonɓe combatude cippiro men, ko joni yeggiten fi frappe on. Par ce que frappe on ko gaani ɗo ari joni, yeggiten fi toola, yeggiten fi frappe on, on est moins important. Kono hande ngo cippiro ngo wonɗen e wadde ɗo tawgo ngo fuɗɗiki heɓude doole, ngo tawata kadi mi yewta en suuva mi innayi, kala anduɓe rôle mo julɗo go zuno e suratul ahzabi on, o wawi déstabilisude arnoɓe hino attaquede ngon hoɗo ngo tawno julɓe ɓenno e mum. Min yon kala anduɗo on rôle mo on zuno on anday ha hon to hakkil kinino ɓuri wonde aalaji ɗi. Mi yewtinon mi insisti noon kum parti, mi yiɗata non insistugol e makkum. Par ce que si mi insisti e makkum, kala yewɗo yii ko honɗum on rôle kam wonno zuude waway andude rôle mo frappe on hande woni e waɗude ɗo. C'est très important yilte ka deftere Allah tawde den ko nde woni kamilure, fi on waw famude wondema cippiro meɗen on, na dolnuɓe wonɗen e piridude. Ko woni ko foofere wona ɗen waɗede nden tawore, siɗe wondi e sappo wiwɓe hino cippirudude e meɗen, ko tato woni e cippirde. Jeeɗiɗoɓe ɓen ko ɓen tawɓe ko ƴoccori woni e waɗude ɓe faalaka yo yahe. Ɓeɗo noon tankeyɗe wondi e maɓɓe ka cippiro, cippiro meɗen gongo hewtoyta. Faame moƴƴa nde yewtere ɗo, mi insista e mayre moƴƴa. Par ce que ko ndeɗo kadi soñjuno dina kan continue kadi han jonno soñjude dina kan. Keferon o hulɓinakigo e cippiro, par ce que kanko yiɗa andi ko kefere ko gañoma ko geddo, o metta gerdude. Kono on tawɗo hiɗa waɗi dude makko cippiro, o wowlante e hunduko konko tawata e na woni ka nder ɓernde makko, oɗo no hulɓini o hino metti gerdude. Donc hande ɗo ɓuri woni e soñjude en kon, koɓe wonduɗen e muɗum woni en e soñjude. Mi wowlata ɗo inde goto terlen ɗum ɗon. Kono kala ko wona e wowlede kon ino hewtitude no artude tawtude men. E nder muɗum non wonɓe wadde wonde goɗɗum ɗum ko wonaɓe wiyede ko cippiri dede e muɗum, mais c'est pas grave.
deftere nden e wi'ingo cippirongo wonden e waɗude kaka kamil wonden e ƴogude ko wonden e wadde ko donc c'est indéniable ngo cippiro meɗen ɗo ngo foole ɗum ɗon pellet ala natagaɗo kono ɓayi tun ko wonɗen e jokkude kon finde nde fiɓiɗen e muɗum nden ko finde tawde nden ko nden deftere nde tawata fenande ala e mayre yeddotiral ala e mayre ngakku ala e mayre kandarirɗa nde wo nde ala ella ko nden wonɗen inspirade waɗen cippiro meɗen ngo donc du coup kala kon ko tawata annabaɓe e nelaɓe heɓuno comme sonja sen heɓi ɗum ka cippiro meɗen ɗo hara eɗen andi koko habbinoɗe walen haray en weltori fiyon ɗum hara enen kadi en rewti e ɗin laawi teppe ɓen tawɓe ko annabaɓe e nelaɓe tawɓe haray e sahabaɓe ɓe tawata hande ɗo hara eɗen weltori dambe golɓe wi'e wondema enen kadi koko waɗnoɓe ɓawo ɗo dartami dina wonɗen e waɗude min en tout cas do je suis très fier je suis très à l'aise yiwgol hande ɗo que je suis combattu que je suis dénigré que je suis kala ko waɗete quand je dis je ande ko min wona yewtede fimum kono namin woni ka hulana ko cippirongo wona gerdede fimum donc en réalité pour faire simple hiɗen andi fi yarugol num on tawnoɗo ko ansariyankejo e on tawɗo mo hajirinajo ɓe nangodirno nangodiral fi ƴogugol yar ɓayɓe piiri hakkunde maɓɓe goɗɗo e maɓɓe wari oya Abdoulaye Boun Saloul ko ɗum ɗon utilise no fi waɗugol hawre hakkunde julɓe ɓen e ɓen tawnoɓe ko ɓen werni ɓe ɓen ɓe ɓe tawno ɓen hakke ma moƴƴike maɓɓe goɗɗo accitayno ɓeygu mum goto jonna oya parenamo ontuma affaire o histoire de parenage gon ɗon yiide ko ka diina ontuma ɗum fuɗɗino sifa on exemple heɓaki kala ko wonɗo yiide ɗo hande ɗi pays occidentaux no gollirde fi ko yinete stratégie politique et diplomatique koye nelaɗo ɗum itta ko ka diina islam ɗum itta ɓen noon tawɓe ino weldirno noon ha ɓatodiri noon ko ɗon naafi guijo on kanko o wawi heɓude ka o sora o waɗa kan haala taw o waddidira o inna ɓeɓe moƴƴiɗon ɗo e muɗum sen hotoyi ka saare en naati tedduɓe ɓe yaltinoeɓen tawɓe hande kowoɓe ɓe yaltinoeɓen tawɓe hande kadi ko jasuɓe iɗon ande on histoire ɗo kono mi woni e yiltitorde makko ko andi ngolɗon wondema ko hen mo tawata goɗɗo harino e teren himo marno espoir ji goɗɗo go ariɗon hande kadi heɓi ƴetti devede ton e hoore makko on hen mo on heɓata ɗon mi ala feere fi makko o ala feere fi makko ko fuɗɗinoɗo gibi neeɓi gibi tan o wiyeteɗo kaabila e haabila ko on guerre d' intérêt yiwgol ngol kaari heɓi konko tawnoɗa an kadi ko ɗum falanoɗa heɓude hawre atiinde waɗude nden dallo monde premier conflit mondial o mo tawata wonki ati ke solde muɗum ko oɗo ko oɗo ati mayde ko oɗo kadi ata warede ko ɗum ɗo kadi atimo warde question hen intérêt ɗum kaɓen ɗon dalali ko min towala dalata kaɓen ɗon rewna ɗon ko min kañum kadi aray daɗata mi daɗay si allah jaɓi konno mi daɗirta ko goho goho anditugol wondema ɗum ɗon heɓino ɓe ɗon donc wona préparé conséquent man donc ton sippu ko par hasard mi woniri e ngo cippire ɗo ɗiɗo fof ko siɗi waɗano déjà min mi juhanmi andon noon anduɓe lamɓen mi yiiɗa kum piwum welu kum fi si piwum hoyanilan fi mi susta kum mi huulay par ce que haren ɗo andi sattenene no arde déjà mi yiltoto si hoyi tun mi anda na lawol ngol ni yo mi yilto na ngol ɗo piwum min koko kum satti ɗon ko ɗon noon mi ɓurata yiɗude kum ko ɗon noon mi ɓurata wonde intéressé e makko aw ko ɗon noon cippiro men ngo woni wonde plus intéressant donc a ses détracteur kala sikkuɓe ɓe wondema ɓe ƴuppaylan haalaji maɓe waɗaylan piiji ɓe sikka ɓe découragélan rassurez vous ko carburant wonɗen e heɓude hande ɗo mi sakkitora ɗo noon yewtere ne mbay on faami on ɗon wowgol ɗo fi aadejo men goto musidɗo meɗen giɗo fulɓe wiyete giɗo fulɓe hande ɗo himo e risque wi jani ko ɗum woni o risque makko on ko konko tawata hande ɗo mi yi haalaji no waɗe hoore makko wiwgol wondema o tawti seenerde wondema hande ko o gaño pullo wondema hande ɗo ko o contre alaji sellu personnellement mi addanama vidéo mo yewti hay o yewtori toon fiya haray komi watan yeetade fe makko on
mi ɗuɗata yewtugol fi yimɓe joni, mi yiɗata personnellement, surtout si tawi on mo mi andi ko cippiro woto gonmi woni, mi yiɗata. Haray noon ɓen addan ɓelan vidéo on, sikki haray koko ella wowli hoore am, mi waɗana on ɗo précision jano wondema giɗo pullo son jentitike moƴƴa ko yewti kon, on faami moƴƴa yewtere makko nden, o taway naa ko boni o wowli sengo do par rapport e journée du 5 o, ko nungo wowli a réalité ko tawata marɗo hakkil kala no wawi faamude, ko contribution o waɗi mo tawata ko jom hakkil wawata heɓude contribution, par ce que so jentitike moƴƴa ko inni wo ko militant X, so winni militant X no wawa wonde min, no wawa wonde ono wonɓe ndaade lanɗo, no wawa wonde mo kanko, wonɗo wono wonɗo ko contribution makko on, kanko kadi o woni e waɗude, wonande on marɗo hakkil. Donc wata yimɓe ɓen yiltito e makko nanga e ƴuppugol mo kanko, par ce que le faire en détournay woni haray kombawa, ko hakkil makko kin o waɗi e embere no hakkil makko kin o waɗiri o woni e yewtude. Kono mi woni insisterde o parti ko kala ɓen wonɓe sikkude wonde makko o gaño am mako mi gaño makko, itte ɗum e salaji mon, ko objectif joguiɗen. Guiɗo pullo wata wonde adversaire meɗen hande ka cippiro ɗo, e kala kadi wawɗo wa makko wata wonde adversaire men. Adversaire men ko CNRD, hande ɗo adversaire men ina e Alpha Condé goy, mi fala ɗum noon kadi en précise on parti ɗum. Adversaire men hande ɗo ka ngu laamu ɗo ko kañum CNRD, et plus particulièrement hande kadi kañum colonel Lay Mamadi Guippy. Hande ɗo mi déclare ɗo ouvertement cippiro ngon hakkude amen e colonel Lay Mamadi. Jusqu'ici ari ɗe wiude colonel Lay Mamadi wowlaali konko lundi ko wiwno, c'est important kom parti um ɗo, en wii hari ko wowluno kon fo o yaltali o wowli contraire ɗum ɗon, ko alhaali woni e waɗude wona contraire ko wiwno, wiide gon tuma qu'il était pris en otage, mais avec le temps ka o yaltuno ɗon o inni il feron le sale boulot. Hande kadi en andi la chaque fille ko kanko woni e wadde ko na waɗede ɗo kon, hande kadi en jonnatamo bénéfice de doute, en iwanimo ka baɓe. Cippiro gon kadi Guippy ɗo ngo woni clair hande kadi. Min mi ala pour habitude wiwgol mi waɗa e bakko o fampo, mi ala ɗum, miɗo mari noon neeru neeru momin waɗata fi en yewtu ha daren si négociation waɗay. Si yeeyi noon ha tawi hande kadi kattimbalin wopodirtake, kon parti mi ɓuri yiɗude. Mi wolanino minni mi yiɗa piiro ngo tawata a yaltinanallan ko an woni hombo. Miɗo yiɗi a yaltitu e kene an tigui nangodiren, sa yaltiti min kadi mi yaltinani ko woni kon ka ɓernde am, mi yaltinani yeeso an go. Donc hande ɗo équipe tola on e frappe on, no andinde on ɗo cippiro gon en naati noon phase wonɗo plus intéressante on, phase de terrain on. Donc kañum colonel Lay Mamadi hande ɗo cippiro gon si tawi ɗe mari adversaire jo na guiɗo pullo, yeggite fi guiɗo pullo pus. Par contre mi waɗana en ɗo mention pim wonkon très dangereuse, ko ɗum woni kon, mi nani wondema kañum guiɗo pullo emo menasa wondema ɓe o wowli fi mum, c'est à dire yimɓe alaji selluɓen fi mo wowli fi suudu maɓɓe, hande ɗo wondema ɓen wi'i wo waɗay mo goɗɗum, kan haala mi nanika. Na kanka noon koye woni danger on, kan haala ɗon ko wiya kon e hoore makko na ɗum ɗo woni danger on, konto woni danger on, c'est que hande ɗo CNRD on ino wawi profitude ɗin menace ji waɗaɗi e hoore makko ɗon, ɓe waɗa mo goɗɗum ɓe inna ko jama on, jama makko on waɗi mo ɗum ɗon. Voilà le risque ke court aujourd'hui guiɗo pulɓe, et il n'est pas sa première fois de prendre ce risque, il n'est pas sa première. Andite kadi élection ji ɗin ka lannuno, o memmindinno hawreji ɗiɗi en même temps, konno memmindiri hawreji na kanko en tant que tel tewi memmini ɗi, ko alhaali o memmini ɗi. Fewndo tawno on tuma mouvance on ino ɗaɓɓitude mo, par ce que mo wi en dartoto résultat ji gongaji ɗin yalta, o même moma mbuuɗi innanoɗi ko ɓey ka axe tawi mo jonna en yi on vidéo yaltunoɓe menace mo, wi so yaltidali mbuɗɗi ɓe waɗa e mo goɗɗum. Joni noon an hiɗa e kene, hiɗa jogude ñawoɓe ɓen, hiɗa jogude ñaweteɓe ɓen, haray ko hombo hande kadi wawata wondude e muɗum, ɗa wawiwa giiru bolol, hiɗa huuli wata fotte, hiɗa huuli wata hewde, ko hombo an haray hande kadi wawata wallindirde e muɗum.
si suka ben ka axe menasi montuma mouvan son kadi menasi montuma kon no warata kontuma o degi o yeyi mais si kuno no wande ma dum do yonaino mo leson fi wato artu kadi ka leydi makko jodo o memmintina kadi den hawre de tawata andaki ko kan hombo woni voilà ce qui est dangereux dans sa lutte objectif an non ka yewtu gol fi o diver do ko wata en wadu mo en danger plus que danger mo woni o si min ni en kala ben wombe sikude ko wowli kon contre en sabu ko be yidi me kon ko be atakumo walline gido pulo na gagno no woni no mi andina mi gagno makko ça c'est moi ko min mi anda de ko woni ka bernde makko kon ko min ko mi andi kon puisque men ak parti ni e kan goto me wadi kipiro hay si yaduji amen awa sedi objectif mo marten on ko restaurer gol justice ka leydi lagine point bar kala non wondo yon non quel que soit lawol go jokkingol je respecte lawol on tigo l'essentiel ko yen hewtoy e ka fokki dure don non ki ke ti soa woni kanko gido pullo woni damsu damar wo woni ko kala wondo si objectif meden o woni goto yadu meden du yadi si tay non ko wonda e wadda de ko woni sedi fotto en tun ka fokki tuden non donc mi lanni to rayo terene do wi golo mondo wota on yaltu nango menasu gol gido fulbe so yalti on menasi gido pullo gido fulbe hay si na gonga on wado e wobbe gono way profito de dun no wada mo kanyum goddum be na ko no wadi hare non on bonni parce que hare on yani e ino sanjo kon woni ro yani e ino sanjo ko emotion on haray woni mo e gidude e angal taw gongol duubi din no towi o wada ellaaji din non ellaaji di korizo parce que ko berne den haray duudiri mo on anda muse ndiji di o marri en anda kon no ngorondi peut-être fewndo do ni deja haray mo hatto jidi e wallitegol balle goode tawata haray be waawi no mo naadule no gasa e karba karba mo tawata on karba karba don hande kadi o na e sago makko anda ko ne wadude famo be no yewtere mo jeno andi ko ndum min mi faandi e nde yewtere do koko innete mbile e koko innete jalan toro alla yo alla heedo ma hakkune ma e mudu ko non toro da ko lutti kon si hewtima na ya yuda dolni min nangodira e min sede andi dun way wi gol tana ma be na hudado yo alla walle wota on ukonde ta toro alla yon sedu toro alla wota on nangodi awa ngoci pirongo woni wadde do si tayi tum o hebali ko darani mo moja o daro kanko tagi moja hibe wawi mo nadu de ko tawata kala kon ko wada tande kadi ko kuna tamo c'est très simple na non kanko tum men fo wombe wado de yewtereji ka réseaux sociaux ji do on ne exposé à la même chose men fop mi wondo yewtude on do o do wadi si men nay on wada ne men doa parce que kon doa non renforce ta ido ngandi ti sai godon fuddo to wadde direct ji tumi fuddo do jude on andi ti bi wala eno do wonde direki mi yeti ko minni on giti anko muso jum de boutiray ni mi yewti on minni bando am boutiray ni dum fop bi wonani non do dido piji fo ko duaji di wado ton din e mocci tagol e hijabuji fi no weli rafi si neddo on hebali di on nadete e nokkure nde tawta kanko tigi wandata donc hande do taw on felu kanyum gido pullo taw on felu kala be wombe wadde sifa cipro makko taw on felam min tigi nyande godo si alla dandu mi yalto yimi do wado yado goddi taw on felam parce que on andasi ko sagu am yoni de wadude hawnaki iden tori non alla yo alla danda na dole am dono yo alla danda membe tanjini de no gasa be naati dum don wattane yila modja hara en wallali be no be burtira unade dum non sen wallai hande do kanyum gido pullo e kala wawbe wa makko wadanen be du'a tono de ngalla yo alla reenu be alla wadu be gol lawol burgol mo jande o dum do mi wiya terleno e kadi non ko woni sincere mi woni yewtude do fi onu ko paske mdo andi hande ko yore makko jango no wawonde hore am faddi jango no wawonde hore ma an ko wondo e darude lamu do no yo hewtude goddo e meden kanko mo woni hore mudum on taw respecter wonde ma position mo jogi on il est dans une situation tawdo ko difficile kanko non yo o subo o anda konko woni e wolde no waye retournade contre makko haysi na konko woni e wolde do woni ka der berne makko parce que jama on ko a responsable ko nda wolde kon kon na responsable ko be woni e famude ko mo kala e embere no woni e famirde yewtere si tay non de yewtere makko de ni mi famido ko moƴƴere o yewti
paske o jonnu contribution ko on jama on hani wadugol watta kadi e hore dum fi wala ci selu watta ni jentete mo jom partino ko conseil o yottini hay sinay makko kanko o yotti konko tawata ko contribution makko on way wa ko yewi no to gambi you get permit o yewi I no get permit o ni you no get perfect o yandari ndari hata e famal o ni you no get perfect o fami don know in a get perfect o wadi perfect o dogi o sifa don kanyum gido pullo ne wadde do mi ala non en sisu de mun ha min tigi mi wada mo en danger ande tun ki n'est pas du tout notre adversaire dun do yandi mi profite ay o tribune do mo tawata plus de 4000 personnes no daru de la fi on fo yon ande dun don ko yaltiti ko ko woni kon tawa reena dun don no buri dodude e kala mo de yewtere yewtoyta gido pullo do en tout cas kala dan do la video siki mo woli ton ko boni e hore an ande na ko boni woli fi hore few ando non kanyum kadi konko wadi don ko hay si tay awara ko boni o waduno hinna kanko wodi adversaire mere adversaire me mieti ko ngina alpha konde fewno ka fewndi do ko kanyum CNRD non kanyum kadi ko mbo ko kanyum lay mamadi kala ko duwa den concentre de hande do ko contre kanyum CNRD konno no woni dun do le 5 mobilisez-vous soyons prêts kulol gol mardo gol sikugo gol ko axon tum men minto ma sikugo mon ko rato ma tum men minto ma sikugo mon ko lenyol goto yaltata jango si Allah jabi ndare direct mo me waro itaw mo men explica ta ton fi kanyu lansa na kuyate mo men explica ta ton fi kanyu CNRD on kon do be wadi e risque jidi be mari din men burta on di addande do jango yoyo jango are direct me on ko wado itemo ko 17h 18h si Allah jabi ko plateau mo tawata en invite ay ton kanyum kadi activiste be go tawobe wobe men ko membre frappon wobe ina membre frappon me hande convergence ji wadi hakkune men e mabbe ka fokkita don ko nokku goto fokkitirde hande do ko no CNRD yanira ko don jokkude ko don be yanira tawa degaji wadaali ko dun don gollude e mudum ka tawata en jonnata detail ji din fop donc la date du 5 le code 5522 est activé o non de code onno kala mo nan don no yewta do busa ore o inni on 5522 ande selo non di code 5522 o non di code onno 5522 que ça soit do busa ore en wi busa ore no fonctionnude en golata di fonno e birden di e ko honno di warrata jango dimanche 24 avril 2022 17h 18h de mari do plateau mo invitoiten activistes de tous les bords yewten do mo kala yewta kadi adresse o kadi e communauté mudum o yetobe kadi o yeyi e wi hendu wirtoru gerto dum nado ndu yurata ko leendu yurata faame mo jende yewtere.